Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je suis content, on va se péter le bide aujourd'hui. On va manger 100% Lidl. Il n'y a pas de Myriam, il n'y a pas de Yacine, je suis venu tout seul. Ce matin, je vais pas vous dire le mec, j'ai pas pris de petit déjeuner, j'ai mangé comme un gros porc. Ce midi, je vais manger comme un gros porc. Ce soir, je vais manger comme un gros porc, Inch'Allah. Par contre, quand je fais la vidéo, on est lundi, c'est quoi tous ces gens? Les gens, ils travaillent pas? Il y a que des chômeurs ici ou quoi? Je suis pas d'accord là. On va prendre un chariot, je vous le dis, parce que moi, je suis un client fidèle. Toujours prendre un chariot. C'est parti. Bon, on y va. Quand j'étais petit, toujours, je me regardais là-haut là. Regardez ma dégaine. Salut. Et je vais regarder là-bas pour voir s'il y a du monde. En vrai, ça va, en vrai, ça va. Alors moi, je vous le dis, je suis venu avant tout pour la boulangerie. Excusez-moi, il n'y a pas de problème. Alors, on a quoi? Du pain. Il y a tout le temps des nouveautés, c'est ça qui est bien. Encore du pain, ça ne nous intéresse pas. Oh, il y a quiche Lorraine. Belle quiche Lorraine, mais il y a du lardon et du fromage, du coup, on peut pas. Il y a les pizzas. En dessert sucré, on a les beignets. Ok. Oh, ils ont les cookies. On va les tester, je pense. Pain au raisin, croissant. Et ça, c'est la masterclass, hein. Les Suisses. Et là, on a quoi? Oh, ils ont des beignets au Nutella. Il y a plein de nouveautés. Hein. Je sens que ça va être bon, ça va pas être cher. Et dans le magasin, il n'y a que des papas et des mamans. C'est pour ça qu'il y avait autant de monde. Ils vont faire leurs courses le lundi. Alors là, on va prendre deux trucs qui m'intéressent. Ça, là, ce qui paraît, ça donne grave de l'énergie. Et ça, c'est une boisson au café. J'ai jamais essayé. C'est le moment sur cette vidéo d'essayer des nouvelles choses. 1,50€. C'est une boisson spéciale Lidl. Vas-y, on va voir. Là, c'est le rayon américain, mais regardez-moi ça, la taille des sauces. Ça, c'est pour mettre... Il n'y a rien dedans. Oh, les arnaqueurs. Oh, yo. Il n'y a que ça comme sauce, je crois. Et le truc, il est grave gros. Ça coûte combien? 1€. En vrai, ça va, c'est pas cher. Ils ont les cookies comme ça. En vrai, c'est masterclass beurre de cacahuète. Là, c'est le rayon spécial américain. Vous avez vu, je sais pas si je prends quelque chose, vu que j'ai déjà pris des trucs de la boulangerie. Oh, ils ont même ça, frère. Chocobon White. Carrément, ils ont fait des sushis comme ça. 7,49€. Il y a tout ça. C'est grave rentable, hein. Mais vas-y, je vais pas prendre ça aujourd'hui, j'ai pas envie de manger des sushis. Je viens de trouver une masterclass. Luce, tu crues 4 fromages. Je pense que ça, des pâtes avec tous les fromages disponibles. Ouais, je prends. Ça, c'est bien, c'est très très bien. Donc du coup, pour accompagner les pâtes, je sais pas, on va mettre quoi. On a soit du blanc de poulet, mais ça, vas-y, je sais pas, chorizo. On a des mini saucisses, blanc de dinde, je sais pas quoi prendre, je vais réfléchir. Oh, il y a quoi en bas? C'est des tenders? Ah non, c'est spicy. Moi, tout ce qui est spicy, je suis pas trop chaud. Nuggets de volaille, on va réfléchir. Oh là là, des macarons les gars, des millefeuilles, des liégeois. En vrai, je vais regarder les prix. Millefeuilles, 2,99€. Il y en a combien dedans? Il y en a deux. Ça veut dire 1,50€ le millefeuille. C'est pas cher en vrai. Ça va prendre ça aussi les gars. Un tacos, c'est un tacos mozzarella tomate et je vais ajouter de la dinde dedans. Vous avez pas fait ça Lidl? Regardez ce que je trouve. Toblerone glacé. Dans les boissons, on va jouer le jeu. On va prendre une boisson bien Lidl, Schweppes et tout, ça compte pas. Alors leur boisson, eux, c'est Freeway. Vas-y, en vrai, j'ai envie de tester Freeway. Freeway Ice Tea. On va prendre celle-là, la bouteille, elle est balèze. Elle fait même pas 1€, je crois. Là, je me balade, j'ai pris trop de trucs sucrés. Il me faut un peu de salé maintenant. Du coup, je sais pas si je prends des sandwichs ou quoi, mais il faut que je bombarde le salé parce que j'ai vraiment que du sucre. J'ai trouvé le truc parfait, il y a des burgers de fou. Bon, là, ça a la viande. Là, c'est quoi, Savoyard, encore la viande. J'espère qu'il y en a une jet au poisson. Poulet. Et celui-là, le maxi, c'est quoi? Maxi cheeseburger micro-ondable. Non, c'est que à la viande. Le tacos vient de cuire. Regardez comment c'est très très pratique. Ils ont mis un tacos. Et ici, ils ont mis la pochette. Genre, le tacos, il va aller dans la pochette. Donc, je vais encore le mettre à chauffer. On a la pizza qui va la chauffer. On a une autre pizza au fromage de chèvre. Et on a les pâtes. Mais les pâtes, pourquoi? Elles flottent. Normalement, elles devraient couler. Cool, là, arrête de nager. Ce qu'on va faire, c'est que les pâtes, on va les mélanger avec... la dinde, on va faire des petites recettes, vous allez voir. Je vous présente la table, la famille. Alors, on commence par une pizza fromage, une autre focaccia fromage, le tacos, les pâtes avec quelques bouts de tranches de dinde. Vous avez vu le blanc de poulet, on va le tester. Ensuite, on a la salade. À l'intérieur, il y a des œufs de la mimolette, c'est du fromage de fromage orange. On a côté suisse, côté cookie. Les tacos, c'est ceux-là, si vous voulez la ref. Le café, le gingembre, la freeway. Ça, c'est une dinguerie. Toblerone. Et les pâtes. Et donc, on en a pour 24€ pour tout ça. Franchement, c'est pas très très cher. Pause, parce que là, il y a énormément de choses. Il faut s'organiser. Si t'as pas de plan, tu peux pas réussir à tout goûter. On commence par le salé et on finit par le sucré. Ouais, on va faire ça comme ça. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Si je fais tout en même temps, dans mon ventre, ça va être l'Afghanistan. Laisse tomber. On va commencer par la salade. Le truc qui me fait le moins envie. Mais il faut toujours commencer par une salade dans un repas, mon pote. Oh, il y a des pâtes dedans et tout. Incroyable. Si j'aime pas, c'est pas de ma faute. Enfin si, c'est de ma faute, mais on va pas mytho. Je prends un peu de tout. Salade, œuf, carotte, bismillah.
Il n'y a pas à dire, hein, c'est excellent. C'est excellent. Ça passe crème, il n'y a que des trucs qu'on aime bien. C'est une salade, mais t'as vu, il y a les salades haricots verts et tout, c'est... Oh, elle est vraiment très 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 bonne. J'y revais parce que les pâtes, en fait, elles font toute la différence avec le fromage. Écoute, oh, mais j'avais pas vu. Regardez ce qu'ils font. Ils font des glitchs. Il y a une sauce ici. Mais fallait le dire avant. Pourquoi vous la cachez? Du coup, comment on la prend? C'est un secret. Faut faire quoi? On peut pas la prendre, c'est quoi? Faut une carte au trésor. Comment on fait? Bon, bah, on n'a pas le droit de la prendre. On va la laisser. On n'a pas le droit, à mon avis. On va tester la focaccia fromage de chèvre. Ça me dit pas trop ça. Hein. Vas-y, je vais taper un vrai croc juste pour vous. Expérience, s'il vous plaît. C'est pas mauvais ce truc-là. Hein. C'est vraiment super bon. Et je vous promets, le pain là, il est vraiment, vraiment moelleux et doux. Et le fromage de chèvre, on le ressent pas tant. Je vais vraiment taper un croc dans le fromage. Ça passe ultra crème. Vraiment, je lui mets un 7 sur 10 pour la découverte. C'est bien salé, c'est franchement, c'est bon. Et d'ailleurs, si vous kiffez les vidéos comme ça, où il n'y a que moi et vous, dégustation, et bombardez les likes comme ça, je vais dire à mon frère et à ma soeur. Et quand je suis tout seul, il y a grave des likes. Maintenant, je vais faire des vidéos tout seul de temps en temps. Je vous prends une après-midi avec moi. On va se taper des petits délires. On va manger des trucs de fou. Et là, on va taper le tacos Daily Pocket. En fait, c'est pas un tacos. C'est une pizza enroulée en deux. T'as vu quand t'as ta part de pizza? T'as vu là, t'as la part de pizza et tu la plies comme ça en deux. Bon, en fait, c'est ça. C'est pas mal, mais je mets un petit 5 sur 10. C'est pas un truc de ouf, ça pour l'instant, c'est au-dessus. Là, on a la vraie pizza. Encore fromage de chèvre, il restait que ça, j'ai au cuisinier. Chef, tu peux me faire des pizzas? Il m'a dit, il me reste que fromage de chèvre. Je lui ai dit, vas-y, pas grave, mais. On va goûter sans le fromage de chèvre déjà. C'est excellent. Pour une pizza 2 euros, frérot. Il y avait des petits d'ailleurs, je les ai rencontrés, je fais des photos avec eux, ils sortaient peut-être de l'école. Tu demandes 5 euros à ta mère, tu prends une pizza, un gâteau, une boisson, t'es yin. Maintenant, on va goûter avec le fromage de chèvre. On va voir ce que ça donne. Bismillah. En vrai, le premier fromage, il est bon, je pense. Mais dès que t'arrives au 2 ou 3ème, ça va grave t'écœurer. Mais sinon, attends, j'y rêve vite fait. C'est pas mauvais, hein. Après les 3 premiers repas que j'ai à manger, je peux vous dire que Lidl, c'est toujours la base. 2 euros, 3 euros maximum. Et tu te remplis l'estomac. Ça fait ultra plaisir. Je voulais voir les pâtes aux 4 fromages, là. Attends, la grosse assiette d'Obélix, je la mets là. Les pâtes aux 4 fromages. Qu'est-ce que ça dit, la famille? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est claqué avec de la dinde? Attends, là, par contre, ils se foutent de moi. Il n'y a pas de fromage dans les pâtes, frère. Où tu vois 4 fromages, toi? Ah, si, là, j'ai du fromage. Parce que regardez, la pâte, elle est petite. Tu l'ouvres. Ah non, là, ils se foutent vraiment, ils se foutent de nous, les gars, regardez. Il n'y a même pas de fromage. Appelle les pâtes, c'est pas des pâtes fromage. Du coup, on va mettre de la dinde dedans. Ça, c'est vraiment 3 sur 10. Pourquoi? Il n'y a pas de fromage. Ils nous vendent un 4 fromages. C'est marqué, hein. 4 fromages, tenue parfaite à la cuisson. C'est faux. Peut-être que j'ai eu des mauvaises pâtes. Si là, il y en a, en fait, c'est toi ta chance. Une pâte sur 3, il y a du fromage. Là, je vous ai rapproché de moi. Parce que ça, là, ginger shot, à ce qui paraît, ça... Haraï. Ça veut dire que ça fait mal en arabe. On va voir. Quand, en plus, je suis malade. C'est pour ça que j'ai la tête un peu comme ça. On passe au produit sucré. Je vous ai découpé le cookie avec le Suisse. Et regardez le gâteau. J'ai commencé à le découper. Il a l'air incroyable avec le café. Let's go. Regardez-moi ça, je l'ai découpé depuis tout à l'heure, j'en veux. Allez, bismillah. Le meilleur produit de la vidéo, la meilleure découverte. C'est du Toblerone avec comme de la glace au-dessus. On enchaîne avec le Suisse et le café. Le café, il se boit froid. Ça ne chauffe surtout pas. On trempe dedans. Après, tu peux pas faire d'erreur dans ça, c'est trop facile. Mais le truc, c'est que ça coûte pas cher. Et le cookie, il est bien fondant.
On va goûter sans café parce que le café c'est un peu de la triche. Ouais. Pour la partie sucrée, je mets un grand 10 sur 10. C'est pas cher, c'est bon, c'est efficace. Si t'as plein de famille qui vient chez toi, tu prends un billet de 10, tu vas acheter toute la pâtisserie, tu leur fais plaisir et t'es bien. Moi, je vais vous laisser là. Dites-moi le prochain magasin qu'on fait. On se fait un vrai repas que vous et moi. Et ciao.